C'est pas pour la première fois que tu es dans ce studio. Non. C'est ici qu'on s'est connus. Oui. C'est ici que tout a commencé. Tout a commencé. Bon. Oui. Tu as déjà chanté là-bas? Il n'y a pas meilleure musique, il n'y a pas vraiment meilleure place pour chanter. Voilà. Il y a le compas en Haïti, il y a le rap, il y a des chanteurs qui chantent vraiment dans un style plus engagé que d'autres. Mais c'est comme dire, c'est des super talents, ce sont des artistes courageux parce que le système est vraiment différent qu'en Roumanie. C'est vraiment, moi, je lève mon chapeau à... Il y a du gospel, Il y a du gospel, il y a un peu de jazz, il y a aussi le compas qui est, je peux dire, la musique nationale. Okay. Puis il y a le rap aussi qui est très populaire. Qui est très fort, ça parle de la vie sociale de là. Exactement, moi j'ai grandi avec des groupes comme Barricade Couge. Il y a des chansons, je dirais que c'est la tradition. Oui. Quand on parle d'Haïti, il y a certaines chansons qu'on ne peut pas éviter. Haïti chérie, Coupé-Can. C'est comme, moi je dirais que ce sont des chansons clés. On est vraiment bien équipés, je pense. Oui. Okay. Yama, est-ce que tu es capable de me dire, vite comme ça, 10 chanteuses, chanteurs de Haïti le plus populaire, le plus fort? N'importe quoi. Dans le rap, on trouve Wendy, Phantom, PIC, Calibre, Doc Fila, Topi X, Dead Crazy, Baki, PJ. Bravo! Yeah! Yes! On a eu 10! Yes! 10 rappeurs! C'est tous des rappeurs! Facile, hein? C'est juste des rappeurs! Ok. Parce que maintenant, tout le monde sait, la planète, elle est en stop. je suppose que c'est pas facile pour des artistes de performer. Parce que comme on est ici au Canada, tout est arrêté. Il n'y a plus de spectacles, il n'y a plus de shows, il n'y a plus, même à la télé... Comment ils se débrouillent? Qu'est-ce qu'ils font? Plus que trois personnes, c'est dur à être ensemble. Parce qu'ils n'ont pas le droit de... Comment ils font là-bas? Ils font des lives sur Internet. Ah, oh, c'est bon. Ils font des lives, ils s'organisent entre eux. Ils font des tutos. Et puis moi, je trouve que ils sont vraiment capables de se débrouiller. Peu importe la situation, ils savent comment faire pour se décanter un peu des problèmes constants, puis ils trouvent quoi faire. Parce que dans la musique, même si on est dans le chagrin, même si on est dans le bonheur, on retourne tout le temps à la musique. Oui. Exactement, parce qu'on a besoin de musique. Non, il y a Atis Panche, lui qui est un rassembleur. Lui, il est comédien, il fait de tout. Moi je l'adore, il est phénoménal cet artiste-là. Il n'y a aucune importance de quel pays tu viens, il n'y a aucune importance quelle langue on parle. Tant qu'on aime la même chose, la musique, on donne d'amour, on a les mêmes points de vue sur qu'est-ce qui se passe. Même si on est dans une période de crise, de transition, je ne sais même pas comment lui dire, une guerre, je peux l'appeler mondiale, ça n'a rien à voir, on se voit toujours ensemble. Tu veux dire quelque chose à ton peuple? j'aimerais dire c'est que nous forts, nous capables, nous c'est un paquet de bon monde, nous quand nous fait un paquet de bon bagaille, à nous continuer, à nous pas lâcher, à nous continuer à faire bon bagaille, parce que nous c'est bon monde dehors. Remets-nous, on remet tête nous ensemble, on nous remet ensemble et puis pour nous capables d'avancer. Nous souhaitons nous passer ce moment de confinement, ça, nous arriver à surmonter ce moment de confinement. Ça. Et puis pour les toutes les choses reprendre dans nos maillots, pour mettre nos setups, pour nous, l'esprit nous vienne plus ouvrir, pour nous vienne plus éclairer, pour nous vienne faire des choses dans l'autre genre, de façon pour nous capables d'avancer ensemble. Parce que même Jean Davis l'a dit, ensemble nous fort. Merci. Et puis, merci Félix, merci Claudio. Multimed, Veyoubet, Moult.